Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, encodage des injecteurs sur le Hanitkata GI. On reste sur le projet 207. Alors je vous l'avais annoncé dans la vidéo précédente. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo qui nous rejoignent aujourd'hui, je vous invite à aller voir la vidéo sur comment remplacer le joint d'injecteur sur le Hanitkata GI. Vous allez voir, c'est un tuto assez complet. Ça concerne le remplacement du joint, mais aussi d'un injecteur si vous avez le besoin de faire ce remplacement. Voilà, vous allez voir, c'est un tuto assez complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous y répondrai dès que possible. Voilà, donc les choses à savoir sur l'encodage des injecteurs. Déjà, le matériel qu'il va vous falloir. Il vous faudra minimum une valise diagnostique. Alors, n'importe quelle marque fera l'affaire, n'importe quelle gamme aussi. Tout ce que vous devez savoir, c'est savoir si elle fait l'encodage des injecteurs. Voilà, on a des valises diagnostiques qui sont d'un niveau trop bas ou pas assez développé et qui ne font pas l'encodage des injecteurs. N'ayez pas peur, sur le Hanitkata GI, quand vous devez reprogrammer un injecteur, vous avez la possibilité de faire son remplacement, démarrer le véhicule et après vous rendre chez un garage ou à quelqu'un qui a une valise diagnostique qui va pouvoir vous encoder votre injecteur. Voilà, sur le Hanitkata GI, ça ne pose pas de problème. Par contre, on a des autres marques, des autres véhicules que le fait de remplacer l'injecteur, si vous ne l'encodez pas tout de suite, vous allez avoir des problèmes de démarrage. Voilà, je pense plus au Renault. Voilà, vous me confirmerez dans les commentaires si je me trompe. Et voilà, Hanitkata GI, vous pouvez faire le remplacement. Si vous n'avez pas de valise diagnostique, pas de problème. Vous allez pouvoir le démarrer et vous rentrer chez un ami qui a une valise et qui vous pourra faire votre encodage. A savoir que pour le Hanitkata GI, comme les injecteurs sont vraiment recouverts par tous les organes différents, comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, je vous invite à prendre une photo du dessus. Où sont les références? Alors vous allez voir ici peut-être sur la caméra. Mais voilà, on a pas mal de références. Donc prenez une photo avant de remettre votre injecteur. Après, bon, l'injecteur que vous aurez déposé, vous l'aurez en main. Donc vous avez les références de correspondance. Je vous montrerai aussi sur la vidéo comment les repérer dans le calculateur. Voilà. Donc c'est très important de les avoir parce que si vous allez chez quelqu'un pour faire la reprogrammation et puis que vous n'avez pas les codes, ça ne sert à rien tout simplement. Voilà. Une autre petite chose à savoir, si vous montez de l'occasion, essayez de récupérer des injecteurs qui sont encore complets, montés sur le moteur avec les tuyaux de retour, les tuyaux d'arrivée en origine. C'est très important parce que si vous achetez un injecteur qui a été démonté, qui traîne depuis un moment dans un tiroir, voilà, vous allez peut-être avoir des difficultés au niveau du démarrage. Donc assurez-vous, si c'est le cas, qu'il est déjà démonté, qu'il soit bien protégé, bouchonné comme ceci. Donc un bouchon sur le retour et un bouchon sur la partie rigide, le tuyau rigide qui arrive sur l'injecteur. Pourquoi? C'est tout simplement pour pouvoir récupérer ou acheter un injecteur par correspondance qui soit grippé. Voilà, maintenant les injecteurs ont baissé quand même. Donc si vous partez sur du neuf, ça reste encore très cher. Après maintenant, il y a de l'échange standard. Donc voilà, à vous de faire le choix. À savoir que sur le Hanitkata que vous avez pu voir dans la vidéo précédente, il y a beaucoup de travail pour arriver jusqu'au injecteur. Donc vous avez vraiment le libre choix de savoir si vous mettez du neuf, de l'occasion, ou alors de l'échange standard. Voilà, ça c'est propre à vous. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Prochaine étape, on va se connecter à la valise diagnostique. Donc moi je vais mettre la mienne en route, je vais faire la reconnaissance du véhicule. On se retrouve au moment du diagnostic pour pouvoir accéder où sont les codes des injecteurs. Donc ça va changer d'une valise à l'autre. Mais en règle générale, c'est toujours le même chemin. On doit aller le rechercher dans le calculateur moteur. Donc on va voir tout de suite ça après. Ensuite, je vous passerai deux, trois petites étapes en accéléré du démontage des injecteurs. On a vu ça ensemble dans la vidéo précédente, donc je ne vous repasse pas tout en vidéo. Et ensuite, on fera, après avoir remplacé l'injecteur, on fera son encodage. Et je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Donc c'est parti, on se retrouve sur la valise. Voilà, nous retrouvons après identification du véhicule. Donc ça, je reviendrai dans une prochaine vidéo comment identifier son véhicule avec le VIN sur votre valise diagnostique. On en fera une vidéo complète. Donc là, après identification de mon véhicule, j'ai la possibilité de faire un scan complet du véhicule. Donc là, ça va prendre un certain temps. Donc là, c'est vraiment si vous êtes dans la recherche de panne. Voilà, vous avez votre voyant allumé, la voiture tourne pas bien, vous voulez faire un jack complet pour savoir ce qu'il en est.
Nous, ici, aujourd'hui, on sait que c'est un problème d'injecteur, c'est la vidéo, c'est dédié pour. Donc, vous avez la possibilité quand même de scanner complètement le véhicule ou alors d'aller dans les différents systèmes, donc BSI, calculateur. Nous, en ce qui nous concerne, on va aller dans le calculateur. Voilà. Alors, à savoir que j'ai créé moi-même une panne sur l'injecteur numéro 2. Donc, on va quand même lire le code. Voilà, pour simuler que vous avez le même souci au niveau de votre diagnostic. Donc, ici, on peut bien se rendre compte qu'en P0 202, on a un problème de circuit ouvert sur l'injecteur numéro 2. Voilà, donc ça peut être le 2, ça peut être le 3, ça peut être deux injecteurs. Bon, pour ce qui est des autres codes défauts, vous inquiétez pas. C'est comme j'ai démonté la façade pour sortir le moteur. Forcément, mes ventilos ne sont plus connectés. Bon, du coup, il me l'affiche aussi. Nous, on va se concentrer plutôt sur l'injecteur. Donc, après avoir relevé votre code défaut, commandez votre injecteur, faire le démontage. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va repartir en arrière. On va aller dans particularités. On va aller dans télécodage. Télécodage manuel, pardon. Classification des injecteurs. Voilà. Donc, il nous annonce que la référence peut être de 9 caractères, des chiffres, des lettres. Voilà, il faut faire vraiment attention au moment de la relevée du code. Voilà. Et ici, nous avons la classification de nos injecteurs avec nos références sur la droite. Donc, pourquoi je vous amène là tout de suite alors qu'on n'a pas encore remplacé l'injecteur? C'est tout simplement, ça va vous aider déjà à repérer votre injecteur. Alors, à savoir qu'ici, sur la ligne KTGI, donc à ne pas confondre avec la distribution, injecteur numéro 1, côté volant moteur. Injecteur numéro 2, forcément, ça va être le deuxième. Donc ici, le fait de lire déjà, avant le démontage, les codes injecteurs, ça va vous permettre déjà de situer votre injecteur si vous êtes trompé au moment du démontage. De voir aussi s'il a déjà été remplacé et pas encodé. Et ensuite, ça va vous donner aussi les informations du code que vous devez relever sur l'injecteur que vous allez remonter. Voilà. Ça vous donne une petite base. Donc nous, on sait qu'ici, notre injecteur numéro 2, c'est le code, c'est F35 F9 C107. Donc, au moment du démontage, on contrôlera si c'est bien la bonne référence et ça me permettra d'identifier la référence plus ou moins approximative sur l'injecteur à remplacer. Voilà. En imaginant que vous êtes déjà arrivé là, il vous suffira de sélectionner votre injecteur et rentrer le nouveau code. Voilà. Mais ça, on le fera tout de suite après le remplacement. Donc, je ne vais pas vous refaire le démontage complet de l'injecteur. Je vous mets une petite vidéo rapide qui vous résume à peu près tout ce qu'il faudra démonter. Nous, on se retrouve tout de suite après pour faire l'encodage de l'injecteur remplacé. Allez, c'est parti! Thank you.
injecteur a été remplacé. Je vous ai fait ça assez rapide en vidéo. N'hésitez pas à aller revoir la vidéo précédente si vous voulez voir comment on démonte l'injecteur sur le Hanik4 HDI. Donc avant de remettre l'injecteur, j'ai relevé l'identifiant de l'injecteur. Donc le code qu'on va rentrer dans le calculateur. Alors je vais vous mettre tout de suite deux images qui correspondent aux inscriptions sur l'injecteur pour que vous compreniez pourquoi il vaut mieux faire le scan d'abord avec votre valise pour récupérer plus ou moins l'information du code que vous devez rechercher sur l'injecteur, parce que vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Je vous mets tout de suite les deux photos. Voilà, vous êtes bien rendu compte que c'est pas évident de pouvoir relever le code identifiant de l'injecteur. Donc c'est pour ça, une photo, vous pouvez l'agrandir à un max. Et à partir de là, on va pouvoir encoder notre injecteur dans le calculateur. Donc voilà, on va faire l'encodage de l'injecteur. Donc nous, c'est notre injecteur numéro 2, côté volant moteur. Donc on sélectionne, on rentre le code. Donc déjà, le tronc, hop. F. 7. Donc voilà, donc j'ai bien remis mon code de mon nouvel injecteur et là du coup je télécode. Configuration effectuée. Donc à partir de là, une fois que vous avez vérifié que votre code est bien installé, il faudra aller retirer le code défaut. Donc on va le relire. Voilà, il est toujours là. On va effacer. Voilà. Bon, le kilométrage. Hop, je vais mettre ça. Voilà. On revient sur lire le code. Voilà. L'injecteur a disparu. Donc voilà. Cette vidéo se termine. Donc vous avez vu, rien de compliqué. Il faut juste suivre les étapes. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous lâchez ça dans les commentaires, j'y répondrai dès que possible, ou alors on fera un live pour répondre à ces questions. Petite parenthèse que je vais faire avec vous, que je n'avais pas fait dans la vidéo précédente, au moment du nettoyage des injecteurs, évitez d'aller brosser la pointe de l'injecteur. Voilà, vous avez des micro-trous et ça serait bête d'aller les boucher en donnant un coup de brosse ou les endommager. Donc évitez la brosse métallique sur le nez de l'injecteur. Ensuite, en ce qui concerne, là j'en ai pas, mais le joint de cuivre, à savoir qu'il y a un côté, donc le côté plat va venir contre l'injecteur et le côté bombé vers la culasse. Voilà, donc c'est qu'il y a un sens au niveau du joint, c'est vrai que je ne vous l'avais pas signalé dans la vidéo précédente, mais voilà, côté plat, côté injecteur, côté bombé du joint, côté culasse. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de ce qui est codage injecteur, n'hésitez pas. Si vous avez un souci ou quoi que ce soit, contactez-moi, j'essaierai de vous aider le mieux possible. Sinon, ben voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. La prochaine, ça sera sûrement sur soit sur le pare-choc ou alors sur on va commencer à préparer le moteur. Je vous dis à très bientôt sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos. Portez-vous bien.